Play it, Mr. Toots. Répondre à cette question, je vais vous présenter deux lointains ancêtres de l'homme. Voici le premier. Voici le second. Ils sont fort différents. Le premier est un chasseur, c'est-à-dire qu'il chasse pour se nourrir, même s'il ne néglige pas de cueillir des fruits et des racines pour varier son alimentation. C'est un prédateur, c'est-à-dire qu'il prélève dans la nature de quoi se nourrir. Le second cultive la terre. Cela ne veut pas dire qu'il ne part pas chasser dans la forêt de temps à autre, mais pour se nourrir, il préfère cultiver le sol et élever des animaux domestiques. Il produit sa nourriture. Il n'est plus un prédateur, il est devenu un producteur. Mais, chasseurs ou cultivateurs, ces deux hommes, ces deux ancêtres, vivent dans la préhistoire, car tous les deux ignorent l'écriture. Non pas qu'ils sont trop bêtes pour apprendre à écrire ou à lire, ce n'est pas la question. Ils n'en ont pas besoin. Pour cultiver la terre ou pour chasser les animaux, ils n'ont pas besoin d'écriture. Cet homme-là, oui, il écrit, car il fait du commerce, et qui dit commerce dit faire des comptes, tenir des listes, des registres. Celui-là aussi écrit, c'est un prêtre. Le prêtre a besoin de l'écriture pour développer des idées abstraites, les transmettre, les répandre autour de lui. Celui-ci aussi écrit, c'est un fonctionnaire. Il a besoin de lever des impôts pour le roi afin que celui-ci puisse payer ses soldats et sa cour. On ne peut pas lever d'impôts sans écriture car il faut savoir ce que chacun a payé hier et paiera demain. L'histoire ne commence pas avec l'agriculture ou la domestication des animaux, ni même avec l'invention de la métallurgie. L'histoire commence avec l'écriture. Car l'écriture change tout pour celui qui étudie le passé. En effet, il ne doit plus se contenter de dessins, de tombes, d'outils, d'armes, de fossiles pour connaître la vie des hommes du passé. En histoire, le chercheur peut aussi lire ce que nos ancêtres ont écrit, leurs témoignages, comme par exemple cette tablette trouvée en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui, et qui relate les victoires du roi d'Akkad sur le roi de Maharshi en 2270 avant Jésus-Christ. L'écriture est une différence essentielle entre la préhistoire et l'histoire, car l'histoire, évidemment, pour connaître le passé, peut se reposer sur des témoignages écrits, sur des documents écrits. La préhistoire, elle, ignore l'écriture. Et pour connaître la vie de nos ancêtres préhistoriques, bien, nous devons fouiller la terre pour trouver des fossiles, des objets, des petits témoignages. Mais souvent, il y a des choses que nous ignorons sur la vie de nos ancêtres au temps de la préhistoire. Par exemple, pourquoi les dessins d'animaux dans les grottes? Malgré les nombreuses hypothèses, nous n'avons aucune certitude sur les raisons qui ont poussé des hommes à s'enfoncer dans des cavernes pour y dessiner des taureaux, des rennes, des mammouths. Nous ne le saurons jamais, car ces hommes n'ont rien écrit, rien expliqué, et cela restera toujours un mystère.
Play it, Mr. Toots.